de propos antisémites, nous condamnons fermement l'antisémitisme au sein du comité et toute personne ayant de près ou de loin des propos ou des actes antisémites sera bien sûr euh, sanctionnée et reportée à la protection. Et intuitionniste Vous mettez ça, vous considérez qu'il y a une barre égale entre les deux, que c'est radicalement différent Ce n'est pas la même chose. Je pense que c'est un problème de mettre un signe égal entre euh, le fait d'être juif et le fait d'être sioniste. Le sionisme, c'est une idéologie politique qui vise à avoir un État d'Israël indépendant, oui. ce avec lequel on peut ou ne peut pas être. Euh, ou ne peut, on, on peut l'attaquer être être ou pas. Ou pas. Euh, cependant, euh, on peut aussi critiquer la politique actuelle d'Israël de bombardement. Ce que beaucoup dans de juifs d'ailleurs. Ce hein, que hein, beaucoup, beaucoup de juifs font également. Et on peut critiquer les. les les conditions d'existence de cet État, ce qui peut s'assimiler à de l'antisionisme, tout en soutenant la communauté juive en France et partout dans le monde. Est-ce qu'il y a une amalgame, justement, entre ces étudiants juifs et ce qui se passe en Israël Je pense que l'amalgame entre ce qui se passe en Israël et les personnes juives, elle n'est pas spécifique à Sciences Po, elle n'est pas spécifique aux, uni aux universités. Et vous admettez donc qu'il y en a une il y a un amalgame qui est de manière globale dans la société qui fait, comme je le disais, un signe égal entre sionisme et judéité, chose avec laquelle nous ne sommes pas d'accord. C'est pourquoi nous avons débattu de justement la différence entre sionisme et judéité au sein des conférences que nous avons faites. Mais il n'y a pas de volonté de des personnes juives qui ont été, comme je le disais, invitées à parler lors de notre conférence. Euh, mais également, je suis d'accord qu'il euh, y a un climat qui, euh, qui peut être pesant avec euh, des, euh, des positions qui, sont, euh, qui peuvent être crispées. Et euh, je tiens quand même à rappeler que nous, nous sommes avant tout pour la paix euh, entre Israël et la Palestine et nous sommes pour un cessez-le-feu permanent et la fin des bombardements et l'arrivée de l'aide humanitaire États, à Gaza. Vous, vous êtes pour la paix, en tout cas. Est-ce que vous regrettez cet incident Est-ce que vous regrettez d'avoir empêché cette étudiante d'entrer dans l'amphithéâtre Ce que je trouve dommage, c'est qu'un incident qui a dû durer une minute trente... En fait, passe, sous, passe à la trappe, 4 heures de conférence. Ce qu'on voudrait savoir, c'est si vous condamnez cette attaque du 7 octobre et si, pour vous, le Hamas est euh, une organisation terroriste. Bien sûr que nous condamnons l'attaque du 7 octobre et que le Hamas est une organisation terroriste. Nous, ce que nous, ce que nous déplorons, en fait, ce sont euh, les, les attaques systématiques que subissent les militants pro-palestiniens au sein de notre faculté. Et euh, on voudrait euh, plus de liberté euh, d'expression euh, pour nous, sans être tout le temps amalgamés au Hamas.